Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit album avec ce bloc action de texture très douce, je trouve, et graphique. J'ai un cadeau de naissance à faire pour un bébé nouveau-né. Donc je vais utiliser ce papier pour faire l'album. Alors voilà, j'ai sélectionné. Vous voyez, c'est ton beige graphique. Je vous montre après. Il y a ça et les feuilles de ginkgo. Ça, c'est un autre. Celui-ci. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et il y en a un autre avec des vagues aussi très beige. Et puis je me suis dit que si je voulais marier avec des motifs, j'ai pris ce bloc il y a quelques temps, qui est sorti aussi à Action. Et regardez, il y a des petits lamas beige, des étoiles. Après, il y a un bleu avec les fleurs. Je me suis dit au cas où. Le signe. Donc ça peut tout à fait se marier, je trouve, avec ces papiers. Donc vous voyez, il y a le choix. Donc je vais utiliser donc ces deux blocs. Bon, celui-ci en principal, et je verrai si je rajoute quelques motifs. J'ai coupé mes carton bois. Alors c'est un carré de 18 cm, donc là il faut couper deux, une tranche de 4 cm par 18, et sur un des cartons je vais faire une fenêtre et je mettrai la déco. Alors je vais vous montrer ce que j'ai sorti comme déco. Et là vous avez un carré de 9 cm, et là ça fait 4,5 partout. Donc je vais découper ça. Je vais prendre mon craft gommé et je vais coller mes trois parties. Au niveau des décos, comme je vous ai dit, c'était un bébé. Alors j'ai sorti ça. Je pense qu'il ira bien avec, pour la couverture, des petites lettres pour mettre le prénom en bois. Pas trop encore que j'ai faire, j'ai ça. Et puis au niveau tampon, bien entendu, ça va être le thème bébé. J'avais acheté ça à Florilège Design, jour, mois, an. J'avais ça, Laura by Laura, les petits habits. J'ai ça en ciseaux, socaille. Bon, c'est girl, mais je peux prendre quand même. L'arc-en-ciel, le nuage, et puis j'ai toute la collection de l'atelier de Karine avec le tampon. Justement, j'ai un lama, un planche garçon là. Donc, j'ai quoi faire pour la déco. Voilà, ma reliure est prête. J'ai mis mes bandes de craft gommé blanc. Je vais utiliser ce papier entoilé. Alors, on va voir, on va mettre un morceau là. Est-ce que par hasard, ça serait bon? Au niveau longueur, c'est bon, impeccable. Donc, je vais mettre 2 cm de chaque côté en plus. Donc il vous faut 45 cm de large, de longueur là, et en hauteur, et ben il me faut 18 plus 2 plus 2, 22 cm. Donc je coupe. Alors je pense avoir encollé tout le carton, enfin le ma reliure, et je vais la poser sur ma toile. Je pense que là je suis bien.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de bulle. Donc là, on a bien la fenêtre. Donc là, pareil, je fais mes quatre angles, je vais couper. Je vais devoir encoller tout mon papier. Donc là, on va être généreuse. On colle juste aussi l'épaisseur du carton. Là, je pense qu'il en manque un peu. La couverture est bien sèche, on voit bien les plis,
Donc là, j'ai fait un carré avec 1 cm de chaque côté que je vais découper. Le centre libre. Alors là, je vais couper, aussi je vais tracer mes angles. Donc là, voilà, je vais couper ça. Alors j'ai essayé, je pense qu'il y a pour cacher l'épaisseur du carton dans les coins, j'ai mis un petit morceau de toile de rayure. Donc j'ai coupé le triangle du haut, on met de la colle et je l'ai enfoncé comme ça. Voilà, je l'ai collé. J'ai l'impression qu'on voit pas, voilà. Donc un petit triangle là, je vais essayer, je vous dis si c'est bien. Donc là, hop, vu qu'on est là, j'ai bien écrasé, je pense que ça sera bon. Donc là, je remets un petit triangle. Pour l'épaisseur du carton. Voilà ce que ça donne. J'ai pris un morceau de 10 cm de large sur 18 de hauteur que je vais mettre là au milieu. Donc je vais en coller. Donc je vais mettre là au milieu. Ça dépasse pas. Par contre, faut absolument bien soit collé là.
pas quand ça rebique. Ce côté là c'est bien, ce que je vais faire c'est que je vais mettre à l'intérieur, là, déjà ça. Comme ça. Donc j'ai coupé 10 et demi. Alors je vais le coller. Non, hein, peut-être. Et là, comme je suis avec la colle vinylique. Ah, j'en ai mis partout. Comme ça, je vais bien placer mon carré. Donc, dans ce sens-là, pour que ça fasse l'accordéon, je vais essayer de voir si c'est droit. Je regarde. Peut-être... Est-ce que c'est droit? Ça a l'air. Voilà, comme ça, et de ce fait, par-dessus, je vais mettre ce carton. C'est du craft, hein. C'est un papier de craft. Ça fasse plat comme ça. Ça va sécher également. Et là, à de l'autre, ben j'aurais pu mettre. Donc là, je vais mettre sur les quatre côtés. Bien. Ça. Dans ce sens-là. Voilà, déjà, c'est propre. Alors, pour les pages, ben, je vais choisir de feuilles 30,5 par 30,5 que j'achète à Cultura. Donc, la hauteur des pages va être toujours de 17,5 et c'est la largeur qui va changer. Donc, je vais couper les pages et je vais vous donner les mesures. Je vais couper 5 pages déjà. À 17,5. Voilà. Et donc je vais mettre faire des plis une à 17,5.
à 3 cm, 20,5. Alors 17,5 et 3 cm loin, 20,5. Voilà, on aura déjà notre première page. Un côté 20,5 et un autre 17,5. Donc c'est notre page 1. Je vais mettre 1 de ce côté-là. Pour la seconde, donc toujours 17,5. Mais on va payer à 17,5 et 20. 17,5. Après les plis. 17,5. Alors 17,5 et 20. 1 cm, donc ça sera la deuxième. Et donc là, le côté le plus grand sera devant. Et celui petit sera en arrière cette fois. On a notre deuxième page. Voilà, donc 17,5 et donc on était à 19,5. Et on avait dit qu'on était à 20, donc 19,5. Voilà. 17,5. Et 19. Voilà. Alors on va arrêter là pour l'instant. Voilà. On va laisser pour l'instant nos 4 pages. Après nous verrons. Alors je vais faire une rallonge pour la deuxième page. Donc je coupe à 17,5 et je vais mettre. On va mettre pour arriver 1,5 cm, 8. Donc on va mettre 8 pour la deuxième page. 8. Voilà, 8. Voilà. 1, 2, 8. Voilà, ça va faire comme ça. Après, on a... Alors, pour la page 1, donc le devant, celle qui a 3 cm de large au niveau de la tranche. Le devant, comme c'est une demi, je vais mettre ce papier de la collection. Je l'ai coupé à 15 cm sur combien? 15,5. Donc je vais le coller là et je vais en faire en sorte que ça sorte près 5,5. Et demi, c'est là, ici 5,5, et là pareil 5,5, et je vais mettre à peu près au milieu, donc j'ai 1 cm là et 1 cm là, c'est bien. Voilà. Comme ça, donc je vais le coller les carreaux. Là, ça c'est ici, voilà, ici comme ça. Donc là il faut que je le mette un tout petit peu. Voilà, là je suis droite, j'ai mes marques ici, j'ai mis
pour l'instant. Voilà, il y aura une photo qu'on va mettre comme ça. Donc là, on fera un décor à l'arrière du 1. Là, j'ai découpé dans un cardstock bleu clair, comme c'est un garçon, hein. C'est couleur R. Donc j'ai découpé. Parce que moi, j'arrive pas à travailler tout d'un seul coup, il faut que je colle, sinon je sais plus. Donc là, je suis à 12 avec, j'ai fait un pli à 1,5 pour le rabat. Et en hauteur, je suis à 15,5. Voilà. Donc ça va aller ici, au bord. Et j'ai pris ce die des ateliers Karine et triangle pour faire des trous. Je trouve que ça change. Donc là, alors là, et puis ça comme ça, je vais me mettre au bord. Ici, ce qui est bien avec la colle comme ça, hop, on a fait un premier rabat. Donc, après, j'ai pensé mettre quoi? Je pense que c'est celui-ci. Oui, voilà, donc on va mettre ça comme ça. Que je suis droite, voilà, pour la page, après la déco, après deuxième page, donc là c'est la première, comme ça, deuxième page, j'ai découpé ça, donc on va le mettre complètement, je pense que là je suis un peu trop grand, je vais le couper un tout petit peu. Comme ça. Voilà. Donc ce papier là, on va venir mettre ici. On va centrer comme ça. Il fait 17 sur 17, je pense. Hein. Voilà, 17 sur 17. On va le coller là. On va le centrer. Voilà. Pour le deuxième. Et on aura une photo dans ce sens-là. Comme ça. Donc on reprend la déco. Voilà ce que ça fait. Donc on va continuer. En réalisant le montage de la vidéo, je me suis aperçue que je n'ai pas donné les dimensions de ce papier marron. À l'arrière du volet gris, le gris, donc il fait 12,5 sur une hauteur de 15,5, donc il se colle là, et puis, mais ne collez rien pour l'instant, enfin, je pense mettre, je vais le coller, ce papier avec des étoiles à l'arrière du papier bleu, parce que du coup, à travers les interstices des triangles, eh bien, on va voir à l'arrière, c'est du bleu. Donc, je vais coller celui-ci. Alors, il fait 10 cm de large sur
15 cm. Donc je vais le coller là. Ça vous pouvez déjà. Et puis qu'est-ce que je me suis aperçue? Donc pour l'instant j'ai découpé, je pense à peu près ça, mais je vais vous donner au fur et à mesure car il me faut faire un peu de déco pour poursuivre exactement ce que j'ai comme idée. Alors voilà, on avait fait 4 voilà, c'est ça, 1, 2, 3, 4 pages. Il nous manquait la cinquième, j'étais pas sûre de la faire, mais si. Donc c'est toujours 17,5, hein, un carré 17,5. La tranche c'est 1 cm, donc vous faites un pli à 18,5, et puis après vous avez le reste.